Créatures parfaites pour la nature. Ils aèrent le sol, ils recyclent les déchets et... Et ils écœurent les filles quand on leur en glisse un dans le dos. Écoute, Danny, si on veut gagner le premier prix au concours de science, on a intérêt à rester sérieux. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Nous allons prouver que les vers peuvent survivre à toutes sortes d'agressions. La chaleur, le froid, l'étirement et même quand on les coupe en deux. C'est plutôt affreux. Arrête de faire le bébé. Les vers, ça sent rien du tout. Régine, casse-toi. Elle est à tout le monde, cette cave. Tu vois pas qu'on est sur le point de faire une découverte scientifique? Eh bien, excusez-moi, docteur Ver de Terre. Si vous croyez que vos expériences sur cette vermine ont une chance face à notre projet, vous n'y êtes pas du tout. Et qu'est-ce que vous allez faire? Enfoncer des aiguilles dans les poupées comme dans X-Files? Si tu veux savoir, Betty et moi, on reconstitue les cycles de vie du merle. On a un nid, des coquilles d'œufs et tout le reste. Ah! Des vers! Il faut bien que cet oiseau se nourrisse. Tu l'as cassé. Je te déteste. Je te jure que je vais me venger, Todd. Tu vas le regretter. Ouh, qu'est-ce que j'ai la trouille. T'es aussi visqueux que les vers que tu tortures. Super. Quand elle a poussé ce cri, j'ai cru que mes oreilles allaient exploser. Y a vraiment rien de mieux que les vers si t'as envie de dégoûter quelqu'un. C'est vrai, t'aurais dû entendre Régine le jour où j'ai mis une poignée de ces petites bêtes dans sa baignoire. On pouvait l'entendre crier jusqu'à l'autre bout de la ville. Oh, un sandwich. Qu'est-ce que t'as, toi? Un reste de spaghettis. On échange? Ouais, si tu veux. Tu devrais voir les expériences que j'ai imaginées avec les vers. Je leur organise des courses, seulement chaque piste a une surface différente, du style gravier, papier de verre, papier collant. À ça, les vers, les derniers survivants. Oh là, y a comme un goût de pourriture là-dedans. Oh, c'est dégoûtant. Et tu trouves ça drôle peut-être? C'est pas moi, t'es dingue. Ouais, tu parles, c'est pour ça que t'as voulu faire l'échange. Tu crains avec tes blagues idiotes. Je t'aurais pas fait ça, t'es mon meilleur ami. Et ben toi, t'es plus le mien. Danny, c'est pas moi. Je te jure. Régine. Todd? Todd, est-ce que tu es là? Je vais finir par ne plus oser entrer dans cette chambre. C'est de pire en pire. Désolée, maman, j'ai cru que c'était Régine. Une chance pour elle que ce soit moi. Vous êtes encore en guerre? Elle a voulu m'empoisonner. Oh, tu dis n'importe quoi. Si les vers étaient mortels, il y a bien longtemps que tu devrais être mort. Mais qui en a mis dans mes spaghettis? Oh, eh bien, ce n'est pas moi. J'adore te voir emmagasiner des protéines, mais là, ce serait un peu fort. Vraiment très drôle. Tu sais, ce qui n'est pas drôle, c'est ce que tu as fait à son merle. Avec Betty, elle a travaillé des heures là-dessus. Je lui ai pas complètement bousillé. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Et tu devras le réparer, on est d'accord? Tu as déjà fait mon procès, tu m'as reconnu coupable. Tu laisserais pas un juge traiter tes clients comme ça, je me trompe? Si tu étais mon client, je te conseillerais de plaider la démence. Tu es obsédé par les vers. Je trouve qu'ils sont géniaux, c'est tout. Je sais. Mais tu devrais avoir d'autres centres d'intérêt. Il y a sûrement de par le monde d'autres bestioles dégoûtantes à souhait et qui en fait ne demanderaient qu'à être découvertes. Répare son merle. Où tu dis adieu au concours? Pas question! Essaie un peu. J'obtiens toujours gain de cause. Maintenant, va au lit, ver de terre. Il est déjà plus de 10 heures.
encore. Régine est entrée dans ma chambre et elle a mis des verres dans mon lit. Todd! Ça, c'est dégoûtant. Me dis pas ça, dis-le à Régine. Mais enfin, elle n'est pas ici. Elle est allée dormir chez son amie Betty. C'est qui, alors? Oh, Todd, je trouve vraiment que tout ça commence à virer au cauchemar. Je t'avais dit que je ne voulais pas voir ces vers dans la maison. Mais... Todd, je n'ai pas envie de débattre des vertus des vers de terre pour l'instant. Il est presque 2h30 et j'ai une grosse plaidoirie qui m'attend demain matin. J'y suis pour rien! Je te jure! Nettoie toutes ces saletés et retourne te mettre au lit. Bonne nuit. Chez moi ce soir, on regardera des vidéos. Non, merci. On commandera une pizza à double ration avec plein de fromage et plein de poivrons. Oui, et puis plein de verres. C'était pas moi, y a pas de raison, je suis ton meilleur ami, rappelle-toi. Est-ce que Régine a avoué? Non, elle a complètement enjôlé ma mère. Cette nuit, elle est même entrée dans ma chambre et elle a mis des verres dans mon pieu. Vraiment? C'est atroce. Elle pense qu'elle va pouvoir s'en sortir à bon compte, mais je ferai tout pour que ce soit elle qui morfle. Qu'est-ce que tu comptes faire? Disons qu'il me faut un peu plus de verres. Des millions de verres. En tout cas, jusqu'ici, moi, ça me plaît. Cette nuit, je descendrai jusqu'au lac pour en déterrer des frais. Tu viendras? Non, maman veut que je fasse un shampoing au chien. Mais j'essaierai de venir dormir chez toi ce soir. Allez, salut. Alors, est-ce que ton père est d'accord pour taper notre exposé? Il a dit qu'il le ferait en rentrant du travail. Est-ce que Todd a réparé le maire? Ton père pourrait y jeter un coup d'œil. Je l'apporterai chez toi tout à l'heure. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Pour commencer, tu diras à maman que c'est toi. Écoute, je te l'ai déjà dit, je ne veux même pas toucher à tes horribles verres. Pourquoi j'en aurais mis dans tes spaghettis? Oh, mon frère devient fou avec ses verres. Je crois que je vais vomir. Et bien sûr, tu sais pas non plus qu'il y en avait cette nuit dans mon lit. Toutefois, ça y est, je sens que je vais vomir. Et si tu crois pouvoir t'en tirer comme ça, tu te trompes. Je te jure que tu vas le regretter. C'est toi qui en auras des regrets quand moi et ma copine, on gagnera le concours de science. Ah ouais? Mes verres vont enfoncer ton imbécile de merde, j'en suis sûre. T'as des verres plein la cervelle. Il faut l'ignorer, Betty. C'est ce que j'ai toujours fait. Des verres plein la cervelle. Je vais pouvoir en rapporter quelques-uns. Bien juteux. Au secours! Ah!
c'est que cet endroit? Il y a quelqu'un? Il y a personne ici? Mais enfin, où suis-je? Curé? J'en suis débarrassée. J'ai envie de t'embrasser. Arrête de délirer. Todd, qu'est-ce que tu mijotes? Rien du tout. Je vais te dire, moi, il y a un ver géant là-dedans et cet oiseau vient de le mettre en fuite. Reste où tu es. Touche pas à mon merle. Allez, viens, Betty. Je ne peux pas croire qu'il ait sali ses vêtements rien que pour nous jouer un tour. Que veux-tu que je te dise? Il est dingue. Des vers plein la cervelle. Des vers plein la cervelle. Des vers plein la cervelle. Cette maison est désormais libérée des vers de terre. On dirait que tu as refait toute la décoration. Oui, je crois. Comment ça se passe? J'ai presque fini.
On va regarder une vidéo. Tu t'occuperas des pop-corn? Bien sûr. J'arrive tout de suite. C'est comme si moi je renonçais au double cheeseburger. Et si je te disais que j'en avais un peu marre, est-ce que tu me croirais? Il faut en garder quelques-uns pour la pêche. On n'a pas besoin de verre. Ces verrons feront de bien meilleurs appâts. Oh, celui-là s'est sauvé. Il faut pas serrer si fort. Tu prends ton hameçon et tu le passes à travers. T'inquiète pas, c'est rien qu'un stupide petit verron, il sentira rien. Et maintenant, je branche sur quoi pour le concours de science? Ça m'est égal, tant que ça n'aura rien à voir avec les vers de terre. Est-ce que ça te plairait de faire quelque chose sur les poissons? Ouais, bonne idée! Quand on y réfléchit bien, le poisson est une créature parfaite pour la nature. C'est ce que tu disais à propos des vers? Je sais, mais en fait, j'aime mieux les poissons. Ils existent depuis des millions d'années, et puis ils peuvent respirer sous l'eau, survivre sous les pôles, aussi bien que dans les pays chauds. Et moi, je pense même qu'ils doivent pas dormir. On va faire comment pour rédiger notre projet sur les poissons? Il faut faire quelques expériences. Combien de temps ils peuvent vivre dans l'eau chaude ou dans l'eau froide? Combien de temps le poisson d'eau douce peut vivre dans l'eau salée? Enfin, des trucs comme ça. Et est-ce que c'est pas un peu cruel? C'est pas sympa de les faire souffrir comme ça. Arrête de faire le bébé. Gardons l'approche scientifique, mon vieux. Je te garantis que les poissons sentiront rien. Oh, super! J'en ai attrapé un. Doucement! Doucement! Oh, c'est nul, il s'est sauvé. Oh, bah en plus j'ai plus d'hameçon. J'espère en prendre un, j'ai hâte de commencer mes expériences. Ah ouais? Comment on va baptiser notre expérience? Les poissons, les derniers survivants. Je peux mordre dans ton sandwich, tu veux bien? Mon sandwich? Appelle-le ton sandwich. Ah! Danny, au secours! Ils m'ont attrapé avec un hameçon. Hey, c'est bon, ça va, j'arrête, c'était pour rire. Je laisse tomber la pêche, je suis promis. Je suis trop petit, il faut me rejeter hors de l'eau. Vous m'avez l'air de gentil poisson. Allez, relâchez-moi, s'il vous plaît. Merci. Quoi? Il faut que je revienne à la nage? Thank you.